On n'était pas très loin de réussir. Si on avait pris le territoire, il aurait pas pu. Voyez qu'il a fait une guerre en fait. Pour obtenir Hambourg en fait. Et contre son vassal. Et son vassal était en rébellion. Manque de bol. Et bah ça s'est pas joué comme on voulait. Ouais, lui il peut lever 14 000 troupes et. Ouais, il est soumis à la Lituanie, ouais, j'ai vu, ouais. C'est dommage. Ça nous aurait bien arrangé qu'il le fasse pas. Mais bon, c'est comme ça. Quand le jeu veut pas, le jeu veut pas. Alors, ok, bon. Bon, si on retournait sur Venise. Non, parce que c'est sympa, Venise, les vacances, tout ça. Ah bah merde. J'ai pas assez de bateaux. Bon, on va prendre tous nos bateaux, alors. Ça va être risqué, je pense qu'on va se faire piller, mais bon, tant pis, on va tenter. Guilde des marchands donnerait de l'argent. Plus 3 de revenus supplémentaires, je prends. Alors, je joue pas du tout les sociétés, hein. Je pourrais les jouer, je ne le fais pas. C'est volontaire, vous inquiétez pas. Bah, avec des assassins, si, oui, dans l'idée, ça serait lui, mais lui, il a 54 ans. Voilà, les complots, vont pas éclater comme ça. Si est... Non, mais il est sérieux? Alors là, là, il est sérieux, là. Là, je suis désolé, ça s'appelle... Bon, on va piller Venise. On va piller Venise. Parce que sinon, il faut que je déclare la guerre pour lui prendre ses territoires. Et ça va m'agacer. Je suis trop loin pour pouvoir le faire. Et là, il n'y a rien en armée. Donc, c'est trop rentable, Venise, pour l'instant. Et on va surveiller ce qu'on prend. Bon, on est déjà à 121 pièces. Deux cent vingt-six pièces. Oh non, le bois de Saint-Jean, je m'en fous, ouais. Plus de l'argent, 600 pièces, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on aurait des... Non, de la construction. L'infrastructure noble, quartier militaire, terrain d'entraînement. Deux. Ouais, mais quartier d'entraînement, on en a besoin, nous? Pas vraiment. Là, on a l'arsenal, on a l'université, à la rigueur. Mais... Non, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes pour l'instant. Ok. Bon, est-ce qu'on a toujours notre complot là? Ouais, il y a 76% de personnes qui... Enfin, on a 76% de complot. Bon, toi, c'est toujours non, hein. Ah, 280 pièces, il faut arrêter les gars, hein. Tu as mis la fille en intendance. Oui, parce que je n'ai pas le complot tout de suite. Le complot, tu l'as qu'à partir de 12 ans. T'as une guerre pourquoi, toi? Non. C'est stupide.
Ah ben non! Bon, le grand-mère John II passe la main au grand-mère Tiberians. Le grand-mère John II a rendu l'âme, il est mort d'une blessure infectée à 55 ans. N'ayant pas réussi à faire un nom, l'acte le plus remarquable de John sera d'avoir participé à la construction d'un grand ouvrage sans jamais l'avoir terminé. Le grand-mère Tiberians lui succède. Sa lâcheté ne sera pas appréciée par ses sujets. Longue vie à Tiberians, désormais notre grand-mère. Bon, Tiberians lâche, je vois pas ce qu'il y a d'étonnant à ça, hein. Vous serez étonné, vous, pas moi. Alors... Physicien de la cour, ok. Alors tous les titres du pays sont trustés par des membres de la famille Wittborg. normal. Ouais, 1000 gold, ouais. Ouais, à peu près, ouais. Allez, on va faire l'université, on a besoin de l'université, c'est pour ça que je la fais. On va récupérer assez d'argent ensuite, vous inquiétez pas. On va préparer la succession. On va mettre un intendant, bien sûr. Améliorer le territoire. Et là, est-ce qu'on aurait de quoi améliorer la milice urbaine, le chantier naval? Non. Par contre, ouais, la fortification. Si, ça ferait 90 soldats en plus quand même. C'est pas rien pour défendre. Et il va falloir surveiller si lui est toujours en guerre ou pas. Non, il est toujours sous la Lituanie. Lituanie et Saxe, donc il y a déjà une perte de titre qui s'est faite de ce côté-là. Ah, je peux pas lui faire la guerre parce que je suis en... Ouais, c'est normal. Monseigneur, quelque chose a été trouvé dans le trésor, me dit un scribe. Un livre ancien du grand-mère John II. Tandis que je le rejoins pour une inspection plus minutieuse, je pense pareil. Ancien en effet, j'éternue. Nous devrions demander à quelqu'un de s'en occuper. Oui, on prend un livre, c'est bien. On en est où là? On a fait 306 pièces d'or quand même, hein, sur Venise. Sur 540 possibles, ça va. Oh, alors, on a le doigt de Saint-Jean. Bah tiens, on a bien fait de pas l'acheter. Parce que pour le coup, on le trouve. Ah. Bon, bah lui, il a perdu son épouse. Il est complètement bouffi, il est complètement ailleurs. Non, en fait, c'était pas un livre, c'était le coffre qui passait un prédécesseur. Mais comme on n'a toujours pas trouvé la clé pour l'instant, bah on peut pas l'ouvrir. On sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on fait avec. Mais pourquoi tu m'attaques? Pourquoi est-ce que tu me fucking attaques? Non, je vais pas coucher avec quelqu'un de ma famille, s'il vous plaît. Toi, tu as quoi? Ah, tu peux avoir 10 000 troupes, ouais, peut-être pas faire les cons. Ah, j'ai hérité d'une tribu.
Je ne sais pas pourquoi il veut pas créer. On aurait pu la détruire et créer un temple ou quelque chose d'autre à la place, mais bon. Voilà, parce que je veux voir où sont ses armées pendant que je pille allègrement. Bon, on se casse. C'est mal famé ici, je me crosse. Ok, et cette armée-là, je n'en veux pas, merci. Alors attendez, ça c'est quoi? Ça c'est la Poméranie. La Poméranie c'est quoi? C'est un ours. Est-ce qu'on pourra... Faudra voir si on peut l'attaquer. Non. On a 750 pièces, qu'est-ce qui se passe? Ok. On gagne tant de pièces que... Ah oui, 33! Ah oui, non mais... Ah oui, non mais si c'est que 33 pièces par tour, pardon. Bon, alors le palais, taille d'élevé plus 40%, revenus fiscaux plus 10, limite de comptoir plus 10, on va passer à revenus fiscaux plus 26. Ça va. Nos commerces nous rapportent 202 pièces, le domaine 422 pièces. Les rentes familiales nous coûtent 223 pièces. En gros, notre commerce fait les rentes familiales, hein, tout simplement. Actuellement... Attendez, il y en a qui essayent d'assassiner des membres de la famille ou... L'autre, il est toujours pas mort alors qu'il est dans les trolls. On peut pas le jeter dans les oubliettes? Ouais, non, va dans les oubliettes, va mourir. D'ailleurs, gouvernement. Parce que le conseil, on en a pas trop entendu parler, mais on pourrait l'acheter. Tips a pris le pouvoir, c'est normal que l'argent coule à flot. Enfin, faudrait lui montrer ça, hein, je suis sûr qu'il serait très fier. Attendez, le Danemark. Eh, mais on pourrait prendre un territoire, lui. Il a rien en armée. On va essayer de prendre Kinda pour nous. On va nous faire un peu de un territoire de plus. Ah oui, aussi, comme ça, oui. Parce que normalement, déclarer la guerre pour... dispute frontalière. Pourquoi je peux pas? Il me faut 600 pièces. Ah mais il est remouva. Non mais vous êtes sérieux, 600 pièces. Si je veux faire une guerre sainte, je dois... Faut juste de la piété, quoi. Après, le problème, c'est qu'il a deux territoires, donc... Enfin, c'est chiant. Ou alors, faut que je fasse des revendications, quoi. Mais bon, les revendications, c'est pas top. Quand on est maire, c'est pas top du tout. Voyez, là c'est bien parce qu'on commence à avoir des trucs. Et quand, si on met des comptoirs, on peut faire des guerres de revendications, de villes, ce genre de choses, quoi. Et là... Purée, merde, quoi, ça coûte cher. Ok, bon, on construit de partout, on a bien amélioré la ville. Lui, il a 64 ans, il est aux oubliettes, il va finir par mourir quand même. Par contre, on a perdu tellement de membres de la famille. J'en suis assez étonné. Va peut-être falloir augmenter la fertilité.
Pourquoi il est là-bas, lui? Pff, mais lui, il a un territoire, je vois même pas pourquoi il en a un. Et ça, c'est un gut, mais en mariage matrilinéaire. Alors lui, il est mort. Ok, bon, bah voilà, il y a des familles qui ne servent plus à grand-chose. On en est là. On a tellement de membres. Ouais, toujours en prison, hein. Ça a pas bougé. Et ça, c'est pris par Vista. Bah oui, qu'est-ce que je vous dise. Et on n'arrive pas à assassiner nos adversaires. Les gars, ils meurent avant qu'on finisse nos assassinats, quoi. Bon. Bah, par contre, à un moment, il va falloir qu'on ait vraiment de l'or parce que ça devient compliqué. Toi, t'as quoi? Ah, d'accord. Guerre entre le roi de Lituanie et de Suède. Alors, la Lituanie, il lui reste. Il a levé 1000 troupes. Bon, mais toi, t'es mort d'anxiété morbide, donc c'est bien. Mais ça veut dire que c'est ce petit con qui a pris le territoire. Ça m'arrange en rien, quoi. On va essayer d'attaquer pendant qu'il se fait défoncer la gueule, déclarer la guerre pour mort. Et ça demande 668 pièces. Mais vous êtes sérieux? Tu veux quoi? Mais non! T'as dit que ton territoire de merde, on n'en voulait pas! Arrête un peu! Oh, mais c'est pénible! Sérieusement? Ou alors, faut faire la guerre sainte pour Smaland, ouais. Il n'y a qu'un territoire, mais bon, ça par contre faut peut-être pas trop abuser. Est-ce qu'on pourrait quand même prendre la troupe de Samy? Non. Il n'y en a pas qui coûtent pas cher, hein. Ça n'existe pas cher ici, hein. C'est quoi ça? Ok, on a des points, ça c'est pas mal quand même. On fait un peu des choses, on fait un peu du vide. Qu'est-ce qu'on a quoi? Cacher Mala, mais je m'en fous de cacher Mala. Donjon amélioré, muraille du château, muraille de la cité, ça je prends par contre. Et infanterie, on prend. Parce qu'on est surtout de l'infanterie quand même. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, mais vous êtes sérieux? L'autre, il est en tôle, il veut pas crever, gentiment, non? Comme tout le monde, mourir. Il y a quoi dans sa famille? Il y a 9 membres vivants. Que ça meure, bon sang!
genre tu pilles nos territoires quoi. Pourquoi vous voulez piller mes territoires? Enfin, pourquoi vous voulez essayer de les prendre? Expliquez-moi. Oui, non, c'est bien ça. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à toi, Falseag. Merci d'être passé en tout cas. Et là, on a la muraille du château qui augmente encore un peu plus la défense. Alors, normalement, à partir d'un certain point, le château est tellement augmenté que, si vous voulez, comment dire, le territoire, en fait, n'est plus siégeable comme ça. Il faut une certaine quantité d'armée pour assiéger. Est-ce que on peut reprendre ta capitale? Ah non, tu veux faire ta connerie, hein. Tu vas le prendre. Oula. Et pourquoi? Ah. Totil est mort. Ah, il n'y a même pas eu d'enfant, mais vous êtes sérieux là. Bon, alors, un régent. Est-ce qu'on pourrait avoir... Ouais, les membres de la famille commencent à être jeunes quand même, hein. Ouais, on n'a pas assez de... Bon, j'aimerais ne pas mettre autant de thunes quand même pour réussir mon élection, ça serait sympa. Ah, attendez, qui est mort? Non, elle est toujours là, bien au chaud. Ouais, ouais, faut l'amélioration pour la fertilité, je suis bien d'accord, ouais, on va la faire. Mais il faut terminer d'abord le niveau 4 du Grand Palais. Et on va péter la gueule à celui-là, là, parce que il a cru que c'était Byzance chez nous. Ah bah, ailleurs, si j'y suis, s'il te plaît. 3600... Non. C'est pas la peine. On va juste lever une armée de mercenaires supplémentaires. Est-ce qu'on pourrait avoir la troupe de Samy, s'il vous plaît? Qui est pas chère, qui est très bien. Mais que dalle, hein. Force totale, merci. Alors Samy, c'est par où? C'est par là. Non, il n'y a pas 32 troupes, hein. Il y a 1500 troupes quand même, s'il vous plaît. Ah, ma troupe de Samy, merci. Ami, c'est bon, mangez-en. Et malgré le fait qu'on ait des mercenaires, on a encore 11 pièces par mois, hein, donc bon, on est bien. On va pouvoir maintenant jouer qu'avec des mercenaires, quasiment, pour défendre le territoire, hein, et piller avec les autres. Je comprends pas ce que tu veux me dire, Bot Nono.
Je sais pertinemment que dès que tu fais une amélioration dans le manoir, c'est pour c'est définitif, mais je comprends pas ce que tu veux me dire d'autre. Ah oui, il est gardé pour de bon, oui. On va les garder et on va pas les relâcher comme ça, on est bien d'accord. Cent pièces d'or, oui, on prend. Hein. Alors. D'accord, il y a... on est en guerre avec quelques personnes, semble-t-il. Si tu veux reprendre ces territoires-là, moi je veux bien, hein. Il y a celui que je veux prendre donc. Ok, d'accord. Je me sens un peu lésé. Mais clairement que je me sentais un peu lésé là pour le coup. Mon chantier naval, je m'en fous ici pour l'instant. Fortification de la cité, par contre, on va les faire, oui, ça c'est intéressant. Bon, bah, on aurait quand même mouru, mais par une autre guerre. Ouais, non, les oubliettes, c'est bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne veut participer au complot, c'est ça? Faut arroser un peu tout le monde. Faut donner quoi? 200 balles, bah bien sûr, oui. 15 balles, c'est parfait, y a pas besoin de plus. Une nouvelle terre a été aperçue de l'autre côté de l'océan, à l'ouest de l'Islande. Revenant de Norvège en direction de Reykjavik, Gunnbjørn Ulfsson et son équipage ont dévié de leur trajectoire et ont découvert plusieurs récifs longeant la côte d'une île beaucoup plus grande, peut-être même d'un nouveau continent. Même s'il n'y a pas débarqué, Gunnbjørn a remarqué que la terre ne semble ni colonisée ni même revendiquée. Des marins islandais ont promis d'examiner davantage cette découverte. Donc apparemment, découverte du Groenland actuellement. Déjà une bonne nouvelle. Comptoir de Fioni. On perd des comptoirs ou non? Pour l'instant, on ne perd rien. C'est parfait. Ça c'est la Lituanie. Allez, allons sur la capitale. C'est à moi, j'ai dit. À moi.
Alors forcément, hein, c'est beaucoup plus lent que quand on joue avec la bohème. Enfin, en fait, si vous voulez, le début de partie peut être très très rapide, mais après, la partie devient beaucoup plus lente, et ce qui est tout à fait normal, vu que c'est beaucoup plus difficile après de prendre des territoires quand on est une république marchande. Surtout en plus quand on est obligé de prendre des côtes. Ça n'aide pas des masses. Je dois prouver à tous ceux qui pensent que je préfère les hommes que je ne suis pas un sodomite. Oui, je suis pas... Ok, bon, on est à 1500 pièces d'or quand même, faudrait peut-être les utiliser un moment. Camp de miliciens, oui, 550 pièces, c'est parfait. Ça sert à rien. La milice urbaine, c'est des piquets en plus, je prends. Très bon contre la cava contre la milice urbaine, très très bon contre comment dire? Ouais, la cave. Très très bon contre les cavaleries adverses, bien sûr. Le port marchand. Ça va tellement rapporter ça. Pour l'instant. Ah ben voilà, l'autre il est mort en prison. Enfin, bon, on va pouvoir récupérer un peu des pièces. Parce que bon, 700 pièces mises de côté, c'est bien gentil, mais. On va laisser ça comme ça. Comment sont faites les zones marchandes? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ça devient compliqué. Et ça, c'est la France. Bah, je vais en mettre une ici. Et si on peut, on en mettra une là. Et normalement, on devrait récupérer cette zone-là, qui devrait être très riche. Pourquoi tu me fais chier? Ce cours d'eau. C'est où ce cours d'eau? Ah, attendez, excusez-moi, je regarde ce cours d'eau parce que je sais pas où c'est. J'ai une zone, je sais pas du tout où elle est. Ce cours d'eau? C'est quoi ça? Ça doit pas être à moi? Bah non, ça a pas l'air d'être à moi. Je sais pas ce que c'est. Ok. Alors, excuse-moi, mais... Conversion de la Bulgarie au catholicisme, très bien. Donc, on disait... Non. C'est juste non. Mais quoi? Mais faut arrêter, oh! Est-ce que tu veux bien mourir? Voilà, tout de suite, quand on discute avec les bonnes personnes. On va y aller, hein.
Non, toi, ça va coûter une blinde, c'est mort. Voyons voir ce complot qui passe au-dessous des 100 pour... au-dessus des 100%. Voilà, et ça, c'est à moi. Tu vois? À moi! Voilà. Merci. Donc, on baisse les troupes. On baisse les bateaux. On garde les mercenaires. On construit ici. Dès qu'on le pourra. Une petite ville. Ce sera pas mal. Et je pense qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour ce live. Attendez, hop, un comptoir ici. Je veux juste voir si j'ai bien la zone marchande comme je le pense. Ou si on est à égalité. Ah oui, d'accord, j'ai dû perdre. Bah non, qu'est-ce que j'aurais perdu? Mais non, Lübeck est en construction. Ça, je possède. Ce qui est ici, c'est en construction. Donc normalement, voilà. Là, ça va être... Là, ça devrait être disputé. Voilà. Voilà. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5... Ah, mais je si, j'en ai perdu un. Ah, et Bortholm. Ouais, j'ai perdu Bortholm. Non? Oui? À voter? À glisser? Et on avait dit une cité ici, hein. Bon, on peut faire une cité marchande à la rigueur, mais je vois pas l'intérêt en fait. Pourquoi il veut pas pourquoi il veut pas il veut pas quitter l'organisation tribale, lui. Je sais pas. On va arriver à égalité, on en a 3 par contre. Alors, assassiner cet homme-là aussi. Allez, Brand. Et on vient de mourir. Ok. Il aime les blunts, ouais, je crois, ouais. Merci à toi Gameskiller pour le follow, merci beaucoup et bienvenue dans la communauté. Donc le grand-père Tiberian s'est rendu l'âme, il est mort d'anxiété morbide à 61 ans. Un homme avare dont nous avons souvent remarqué le besoin de surtaxer son peuple. Une mauvaise personne qui paiera pour ses péchés dans l'au-delà. Le grand-mère Frédéric lui succède, maîtrisant plusieurs domaines de compétences, il sera sans doute admiré par ses sujets. Longue vie à Frédéric, désormais notre grand maître. Et on vient de passer la barre des 2300 pièces. Accessoirement. Juste accessoirement. C'était pas mal. Je crois qu'on est riche, mais je suis pas sûr. Ah, ah oui, on n'a plus tellement d'hommes en fait dans la... Type Zavar, mensonge! Ne le défendez pas, ça se sait! Arrêtez! Bon. Voilà, bon, on a quand même bien, bien progressé. Les constructions se font parfaitement bien. On va pouvoir faire ça d'ailleurs aussi. Ça, c'est très très bien. Bon, on va faire ça parce qu'il faut quand même le faire. Ok. Bon, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour ce live. On aura pris 3 premiers territoires, ça c'est plutôt pas mal. Il va falloir se diriger, bon, dans la mesure du possible, on essaiera d'attaquer la Lituanie pour récupérer... alors, je sais pas si je les ai encore, mes revendications, malheureusement non. Excusez-moi. Mais il va falloir qu'on fasse des revendications. On va devoir utiliser notre intendant maintenant.
pour pouvoir vraiment partir sur de la prise de territoire, donc utiliser notre prestige, etc. Je pense que faire des revendications va devenir important. Donc on va commencer ce genre de choses pour pouvoir progresser, prendre des territoires, et puis petit à petit écraser de possibles adversaires. Ça va être intéressant. On a les Suomi ici, est-ce qu'on peut attaquer les Suomi? On peut faire une guerre pour Scan, ouais, bon, bref. On peut commencer les guerres saintes, c'est très bien et pas bien à la fois parce qu'on va se battre contre d'autres religions, ça peut être compliqué. Quand je te me dis que je dois économiser un tête, c'est la voix de Tips qui. Est-ce normal? Oui, tout à fait. Donc là, pour l'instant, on est plutôt quand même pas mal, hein. On va pouvoir gérer la succession. Voilà, on a de l'avance. On a ce qu'il faut. On va pouvoir essayer de tenir les postes. Ça, c'est plutôt pas mal. On se retrouvera pour un prochain live pour voir un petit peu comment progresser sur cette partie. Parce que mine de rien, maintenant, il faut se diriger vers la Bohême et obtenir la grande... pas la Grande Principauté, mais la République Sérénissime de Bohême. Et on voit que la Pannonie s'est bien agrandie, que la France aussi. Donc il va falloir trouver un petit moyen pour progresser et rentrer là-dedans. Ça va pas être évident. On va essayer, bien évidemment, de devenir une Grande Principauté. Alors, Grande Principauté de Scandinavie, c'est pas super flamboyant, mais créer la Grande Principauté de l'Empire romain germanique, ça pourrait être très très drôle. Et on est quand même en bonne passe, hein, surtout vu l'argent que l'on gagne maintenant. On va pouvoir vraiment gérer. Alors, on va pouvoir lever des armées monstrueuses, faire des revendications, ce genre de choses. L'argent maintenant devrait couler plus facilement. Il va falloir juste s'assurer que la succession se fasse bien. Ce qui pour l'instant est très compliqué, il faut bien l'avouer. Avec des membres de la famille qui sont pas vraiment là où on aimerait qu'ils soient. C'est tout de suite un peu plus difficile quand on a des membres de la famille qui vont ailleurs. Là, on sait pas trop. D'ailleurs, cet enfant-là, d'accord. Qui sont mères, on sait pas pourquoi d'ailleurs ils sont mères. Certains sont. Bon, on ne sait pas trop quoi non plus d'ailleurs. Mais bon, bref. On va essayer de gérer ça et de voir jusqu'où ça peut nous mener. Donc sur ce, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à aller sur la chaîne YouTube pour suivre les rediffusions si vous avez raté certains moments, pour suivre d'autres séries qui sont en cours sur la chaîne. Et puis on se retrouve donc pour de prochains épisodes et de prochains lives. D'ici là, portez-vous bien. Salut!